DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Sur le plan d'engagement physique, moi je suis très content et on a encore 4 jours pour finir. On a encore le jeu de Mazembe qui arrive ce soir. Et demain et après demain, vendredi, on va encore travailler sur le plan tactique et on va essayer de mettre une équipe forte. Mais je suis confiant, l'état d'esprit est là, c'est le plus important. Moi je crois qu'on a déjà fait un grand travail contre l'Éthiopie. Nous sommes en train de continuer notre travail. Mais le plus important, c'est. Le plus important pour le moment, je crois que nous sommes déjà à 80%, c'est le point physique. Parce que si vous regardez bien le match qui vient de jouer, ça a été bien parce qu'on a fait la pression haut, ça tenait jusqu'à la fin. Je crois qu'on va continuer encore à faire ça par rapport au notre bloc. Ça va aller. Vraiment, c'est fantastique. Et ça, il y a un plaisir en avance pour ça, pour le match de Zagre. Le match a mis le coach a fait la confiance pour tirer en deuxième mi-temps. Pour tirer en côté, il est déterminé. Il faut ça la bonne chose. Avec bah on a bien d'abord match Algérie, ils ont c'est comme normal. Bon et Guy, les entraîneurs sont où? Ouais. Ils sont
sur le restaurant, c'est bah. Ah il est là, et toi? Comment c'est toi? Ah ouais, moi aussi. Toujours en forme. Toujours en forme. On a un effectif aujourd'hui qui sont depuis hier et ceux qui sont arrivés aujourd'hui, on est au nombre de 16. On travaille sur la capacité d'endurance et les forces légères, on essaie un peu de mettre les choses en place. Malheureusement, on aurait aimé qu'on commence deux semaines plus tôt. Malheureusement, on a commencé 3-4 jours de retard. Mais c'est pas grave, on va faire notre travail, notre job. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les joueurs sont en jambes. La plupart d'entre eux ont joué deux matchs de championnat ou un match de championnat, donc c'est déjà, ça c'est déjà mieux par rapport à la fois à passer. Et on va s'appuyer là-dessus et travailler beaucoup plus tactique et technique.